Bonjour tout le monde, c'est Xec62. Bon bah on est parti pour le sixième épisode. Alors donc là, faut aller là. Ouh, j'ai eu peur de louper le coche. Alors l'ascenseur. Toi, BD. Jedi, on n'a pas assez de puissance pour percer ta coque. On s'en charge. Elle sort pas l'ennemi. D'habitude, il y a un ennemi dans la tête. Écoutez-moi! On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille, à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure. Nos espoirs... C'est lui en fait le gars que je recherche, je parie. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous, nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. On a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard. Reviens me voir. Cal, je suis Mari Kosan. Et voici le commandant Choisik. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choisik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie ? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause. Ok, ok. Donc là... Ah, faut que je repars là-bas, quoi. J'ai intercepté
constaté quelque chose en écoutant les communications impériales. Le projet Foreuse a été réactivé. L'Empire s'apprête à trouver un nouveau tombeau Zepho. On a encore du pain sur la planche. Tu crois que So et les autres vont s'en sortir? Toujours aussi optimiste, pas vrai? Merci. Merci pour tout. Ouais. Hé, hey, Siri. Cal, contente de te revoir sain et sauf. Mariko-san nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Mari et Choisik réussiront. C'est bien de rester positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Eh, moi aussi je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. Tu as bien fait, Cal. On n'a peut-être pas trouvé Tarful. Mais tu as sauvé des vies. Surtout, ne l'oublie pas. Merci. Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais. Dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match à enjeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Oh, c'est naze! Je les verrai venir même à 3 par sec. Tes paris douteux nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. On est arrivé. Attache-toi. Ok, ça c'est où j'étais tout à l'heure. C'est un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Un instant. Le monde natal des Zepho. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas, s'il n'y a pas de passé. Ouais, pour aller là-bas, ça va être... Ça va être galère un peu. Toujours pas de Stormtrooper en vue. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. Tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. La porte est coincée. Fais chier. Qu'est-ce que t'as trouvé?
Une matraque, super. Je sais pas comment je vais pouvoir y aller là-bas, mais on va essayer d'y aller. Hein. Ah, c'est peut-être là en fait où j'avais pas été la dernière fois. Parce que là, ça va en direction de... Ouais, non, même pas. Même pas. Ça va en direction de rien du tout. Est-ce que je peux l'escalader, ça? Non. Ok, c'était une planque pour avoir un écho. Ok. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Plus. Merci, BD1. Ça va faire quoi? Ça va faire 3? Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Bon, il faut que je reparte, il n'y a plus rien là du coup. Donc, il n'y a plus qu'à continuer là-bas. Je vais me retaper tous les bonhommes que je m'avais tapé la dernière fois. Ah bah je vais prendre la porte là, là. Ça fait atterrir largement plus loin. Une porte là, à cet endroit là il n'y a qu'une porte. J'essaie de me rappeler ce qu'on nous a dit sur le filac, c'est ça? On peut le tuer en lui tirant dessus, c'est tout ce qu'il faut savoir. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Allez, tire. Tiens. Tiens-moi dessus. Allez, attrape-le. Allez, c'est temps. Il faut pas d'ouverture. On continue. Est-ce que vous le voyez? Le Jedi est là. Aucun problème. Trop rapide. Super. Ça veut dire trop. Yeah.
Bon, ça c'est toujours pas tombé. Ah, ça passe quand même. Ah, maintenant je peux l'ouvrir, je peux le pirater maintenant. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Ok, BD, qu'est-ce que c'est ? Tu ne déconcentreras pas, Jedi. Prépare-toi à prendre une raclée. Comment je fais pour aller là-bas? Ouais, je pense qu'il faut que j'avance comme comme j'avais fait avant. L'ouverture, elle doit être plus loin. Là, faut que je vais sur ma droite. Je vais quand même me soigner parce que j'ai perdu la moitié de ma vie quand même. Donc là. J'en suis où? Ouais, il faut que je prenne une porte qui est vers le bas, je pense. Donc là, il faut que je regarde où que je peux aller pour aller là-bas. Moi, ça me semblerait logique que c'est là. Moi, je le sens bien que c'est là. Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais, il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire ouais, que... c'est ça. Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho? Peut-être.
Joa a été blessé, mais il a eu un Stormtrooper. Tu peux la déverrouiller ? On décolle ! Où t'es passé? Toute mon escouade a été tuée. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. Ok. Ok. J'avance pas vraiment, vraiment vers la destination, hein. Il doit bien y avoir des informations sur les fouilles à l'intérieur. Tu es toujours aussi optimiste. Merci, BD. Bon, je dois être quand même sur le bon chemin. Ça, je me paraît loin. Ça me paraît loin. Mais je pense que je suis sur le bon chemin parce qu'il y a des ennemis, tout ça. Sur le bon chemin là ou... Ouais, de l'autre côté avec un ascenseur, c'était pour descendre, donc non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on doit être sur le bon chemin. Je pense. Je te vois là-bas. Ok.
Ok, d'accord. J'incarne la volonté de l'empereur. Celle de fuir. Tu vas devoir faire mieux que ça. Ton temps est compté. Les inquisiteurs débarquent? C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. Commandant Purge Trooper. D'accord. Aucun signe du tombeau? Non, et l'Empire a renforcé la sécurité. Reste concentré. Ah, il y a un écho là. D'accord. Il y a un écho là-bas, mais. C'est quoi ça? Je sais pas, je peux pas encore le faire, je pense. Allez. Allez, on se repose. Et c'est parti. On en est où là du coup par rapport à l'endroit où... Ah franchement on s'approche mais c'est vraiment... c'est vraiment petit peu par petit peu. Ah quoique je pense que c'est ça. Je pense que c'est la porte là-bas. Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un Venator. Il contient peut-être des informations utiles. Je vais essayer de l'atteindre. T'as raison, atteins-le. Par contre, là, ça va être compliqué, là. J'ai eu quoi, la nage? Bah, je pense qu'il faut y aller à la nage. Ouais, c'est ça. Chose d'intéressant. Jotaz. Ah, c'est quoi ça? Eh, Grise, t'es occupé? Eh ben, j'ai essayé de regarder le... Enfin non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment? C'est long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... À plus. Aïe. Merci, BD. Ça pique.
Merde. Je me suis trompé de bouton. Le pont. Eh ben, celui-là, c'était pas le plus facile à avoir, hein. Aïe, ça pique. Voilà. Hé, m'aider. Android sonde. Il nous surveille, BD. Ouais, je suis parti au bon endroit. Ah, fait chier, j'ai pas vu qu'il était venu vers moi. Ouais, je suis carrément parti au bon endroit, ça, ça fait plaisir. Non, non, restez loin de moi. Là, je peux pas monter là. Ok. Essence de vie obtenue 2. Qui a tué le commandant.
Voilà. Ah, je suis par loin. Hein. Ah bah, je crois qu'on s'approche. Sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, j'espère que pour le vaisseau, il va pas falloir refaire tout dans le sens inverse. Sinon, ça ne me dit rien qui vaille. Ah, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ok. Faut que je vais dans quel... Si je vais là, c'est direct. Ah non, je peux pas. Hop. Jedi repéré. Sans intérêt. Écartez-vous. Dégâts subis. Incapable. Cible touchée. Le Jedi immobile. Comporté à l'adversaire. Vos chances de survie sont infimes. Jedi capturé. Capturé. Jedi inférieur. Ouais. Il est où l'inférieur là? Ça te tente. Ah, petite amélioration. Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? On doit pouvoir atteindre le tronc. Utiliser les tyroliennes dans les deux sens. Ok, du coup, maintenant je peux remonter les tyroliennes. Là, je peux pas passer là de toute façon. Donc je pense qu'il faut que je fasse demi-tour et que je prenne la tyrolienne dans le sens inverse quoi. C'est un peu ça quoi. Voilà. Prendre les tyroliennes vers le haut. Non. Tu peux m'aider, BD? Voilà. Alors.
Merde. J'ai vu arriver mon dernier moment. Bon, je vais pas pouvoir passer. Quoique. C'est quoi ça? Éloigne-toi! Ouvre le feu! Oh, c'est le truc qu'il y avait au début, ça. Bon, c'est pas intéressant. C'est le raccourci, ça. Ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Faut y aller au truc, hein. Il est juste en dessous là le machin, mais faut y aller quoi. Bon bah on va s'arrêter là après, hein. On va faire les compétences, on va se soigner, puis on va s'arrêter là. Repose, on récupère toute la vie. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc normalement, bah, il n'y aura plus qu'à... Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Il y a un écho ou quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Là-bas. Ah si, là-bas, il y a un écho. Est-ce que je peux essayer de le récupérer avant de quitter? Bah, ça m'a l'air violent quand même pour l'avoir. Faut que je puisse arriver à choper le la corde. Pour moi, la corde elle est trop loin. Ouais, la corde elle est trop loin. Donc voilà. Bon, bah, on va s'arrêter. Bon, on va s'arrêter là, donc là normalement il n'y aura plus qu'à descendre. Parce qu'on voit il y a l'ascenseur vert. Et on sera arrivé normalement à destination. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure dans un prochain épisode. Salut !